Apprendre, il y a tellement. C'est vraiment excitant. Blippi. Wow, regardez. Oh, wow. Ça, c'est un gros camion rouge. Mais... il est très sale. Vous voyez comme ce camion est sale. Oh, regardez. Parfait. Un bocal. Et si on remplissait le bocal avec de l'eau? Et puis, un peu de savon pour nettoyer le camion. On va le remplir d'eau. Ah, c'est lourd. Ok, allons-y. Parfait. Génial. On remplit le bocal avec de l'eau. Hello. Oh, ça fait vraiment beaucoup d'eau. Regardez, ça va être comme un bain de camion. Un lavage. Oui. J'en ai pris plein les yeux. Ok. C'était vraiment lourd. Vous me voyez? Voyez, l'eau est très claire. Parfait. Maintenant, on peut mettre le camion dedans pour le lavage de camion. Mais d'abord, oui, il faut du savon. Une sorte de bain à bulles, voyez? Ok, c'est là en dessous. C'était bien lourd, ça aussi. Je plaisante. Vous voyez, c'est pas si lourd. Je faisais semblant, comme si c'était super lourd. Ok, mettons un peu de savon là-dedans. Ok. Wow. Il y a du savon dedans. Ok, là, l'eau est bien propre avec le savon. C'est l'heure pour le camion d'être lavé. Donc, vous et moi, on va dire Blippi lavage. 3 fois d'affilée. Et puis, on met le camion dedans. Ok, prêt? Blippi lavage. Blippi lavage. Blippi lavage. Wow! 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 Ce camion est trop cool, non? Il était tellement sale avant. Regardez, toute la crasse est partie dans l'eau. Maintenant, c'est un gros camion rouge. On peut voir la couleur là. Oui, c'est la couleur rouge. Ok, maintenant, on devrait laver un vrai gros camion rouge. Blippi! Regardez! Waouh! C'est un énorme camion rouge! Oh, il est vraiment sale! Aujourd'hui, on va le laver pour qu'il soit nickel chrome! Venez! Waouh!
Regardez toute cette terre. Ah, c'est vraiment sale. Mais avant de laver le camion, je pense qu'on devrait le salir un peu plus. Regardez. Oh, de la farine. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Ouais. Ah, regardez comment salit le camion. Ok, encore un peu sur l'arrière, juste là. Regardez cette énorme poignée. Ok, toute dernière. Prêt? Je vais bien la lancer de super méga loin. Allez, on recule un peu. Ok. Banzai! Ok, je pense que ça fait assez de farine. Ok, voyons. Je pense qu'on devrait le salir encore un peu. Et j'ai le parfait produit. Oh, ouais, de la sauce. J'adore le piment. Mettons un peu de sauce au piment sur le camion. Mais d'abord, comme j'aime ça... Ketchup et moutarde. Ok. Wow. Ah, c'était dur. Ok, ketchup et moutarde, venez. On y va. Wow. Oh, mettons-en sur les pneus. Ok, faisons... Oh, j'ai une idée. Prenons la moutarde jaune et faisons un joli sourire. Prêt? Un joli sourire. Ok, avec le rouge du ketchup, restez avec moi. On va faire un visage triste. Ok, prêt? Trop super fun! Ok, il faut faire de la monnaie pour qu'on puisse laver le camion. 5 $. Ok. On met dans la fente. Écoutez! Oui! Oh. Jackpot! Wow! Ok, maintenant j'ai de la monnaie. Ok, venez. Ok, voyons. Ça, c'est le bouton rinçage haute pression. Lustrage. Lustrage haute pression. Ok. Ok. Il faut d'autres pièces pour les mettre dedans. Là. J'en ai juste assez. Ok, vous êtes prêts? Wow. Ok, allons de l'autre côté. Wow. 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 Un pistolet à eau. Super puissant. Vous êtes prêts? Wow. Wow. Ouais. Ça devient vraiment propre. Wow! Tout est presque parti. Hé! Attention, ça mouille! Hé, venez par là! Thank you.
Parfait. Je vais aller remettre ça. Restez bien là, hein. Et puis, on va laver avec nos mains, d'accord? Restez bien là. Blippi! Grâce au pistolet, on l'a bien nettoyé. Mais il faut le laver encore un petit peu plus avec les mains. Regardez. Ok, on a un seau et un peu de savon. Ok. Ok. Ouais, savon vert. Ok, et puis... Oh, oh yes. Voilà de l'eau. Oh. Wow. Ouais. Ah, ok. Et... Tout ce qu'il faut pour frotter, comme... Ça, un torchon. Parfait. Regardez, ketchup et moutarde. Ok, on met ça dedans. Ouh, une brosse pour les pneus et les jantes. Et celle-là, waouh. Wow, celle-là pour le toit. Difficile d'accès. On fera ça plus tard. Ok, mais d'abord... Allez, venez. Oh, waouh, ce seau est vraiment lourd. Ok, wow, ok, c'est parti. On prend le chiffon et on frotte un peu comme ça. Encore un peu de savon dessus. Regardez, regardez cette eau bien savonneuse. Ouais, ok, un peu comme ça. Ah, ouais, ouf. Ouais, il faut nettoyer toutes les traces de jaune et de rouge. Parce qu'il y a plein de ketchup et de moutarde. Ouh, il y en a encore là. Regardez, prêt? Ok, et voilà. Ok. Oh, ouh, revenez vers l'arrière. Waouh. Wow. Ah, il faut nettoyer tout ça. On prend cette brosse. Frotte, frotte, frotte. Frotte, frotte, frotte. Frotte, frotte, frotte. J'adore laver les voitures. Frotte, 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 frotte. Frotte, 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 frotte. Frotte, frotte, frotte. Frotte, 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 frotte. Ok. Et voilà. Ah, ça, ça a l'air plutôt propre. Il faut juste le rincer. Allez, encore une fois. Mais d'abord, oh, vous vous rappelez de la super grande brosse? Eh ben, on va la prendre. Ok. Oh. Ouais. Ça, c'est une éponge. On la met dans l'eau savonneuse. Et... Waouh, on va laver le toit. Wop, 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 wop. C'est trop large là-haut. Oh. Ok. Ok. Je pense qu'on a bien tout lavé. Donc, la dernière chose qu'on doit faire, c'est de bien rincer une dernière fois. Wow. Ok. On va bien rincer le camion une dernière fois. Wow. Ok. C'est parti! Ouais. Ouais. Allez, on fait le pneu! Ok! Maintenant que le camion est bien propre, je voulais vous dire, hey! Faites attention de ne jamais salir le véhicule d'un adulte comme on vient de faire! On a juste fait ça pour cette vidéo, parce que... Il fallait un camion un peu plus sale. Bien, c'était super fun de laver ce gros camion rouge avec vous. Wow! Ok, bye bye! Venez les amis, apprendre c'est génial. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Eee!
c'est moi, Blippi. Et regardez ce que c'est. Oui, c'est une pelleteuse. Aujourd'hui, vous et moi, on va découvrir les pelleteuses. Ok, maintenant, c'est l'heure de découvrir l'extérieur de la pelleteuse. Venez! Wow! Cette pelleteuse est si grosse! Oh, ça aussi, c'est assez gros. Oui, ça, c'est une grosse jante et un pneu. Oh, hé, là-haut! Ça, c'est une petite jante et un pneu. Oh, regardez. Waouh, ça, c'est la chape de ce pneu. Et la chape est très utile. Quand la roue tourne, ça l'empêche de déraper et glisser. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai le vertige. Oh, venez ici. Wow! Ça, ici, c'est la cabine. C'est ici que le conducteur de la pelleteuse s'assoit. Wow! Oh, trop cool! Wow! Et là, en haut, ça... Oh oui! Ces trucs-là sont les phares. Et ça, juste là, c'est le clignotant. Pour pouvoir conduire cette pelleteuse sur les routes légalement. Waouh! Wow! Ça, c'est le pied stabilisateur. Normalement, il est relevé. Mais là, il est en bas, dans la terre. Ainsi, quand la pelleteuse va creuser, elle sera bien stable. Wow! Wow! Je suis bien stable! Wow! Et cette partie de la pelleteuse s'appelle la flèche. Et ça, là-haut, c'est le bras. Et ce bras est en fait très spécial parce que il est télescopique! C'était génial! Oh, mais regardez ça! Ça, c'est le godet rétro de la pelleteuse. Il peut prendre de bonnes grosses pelletées. On ira en prendre tout à l'heure. Venez! Wow! Ça, c'est l'échappement. C'est par là que le moteur expulse toutes ses fumées. Wow! Oh, hey, regardez ça. Ça, c'est le godet frontal. Et c'est vraiment gros, bien plus gros que le godet rétro. Et ce godet frontal est en fait assez spécial. C'est comme quatre godets en un seul. Il bouge un peu comme les coquillages. J'adore les coquillages. Wow! Wow! Regardez! Ce sont des tuyaux hydrauliques. Ça, c'est un vérin hydraulique. Les vérins hydrauliques transmettent de la puissance grâce à leur fluide sous pression au godet rétro et au frontal. Wow! J'adore les pelleteuses! Là, on va prendre le volant et conduire la pelleteuse. Vive, 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 venez.
Wow, wow, wow. Attendez, on n'oublie pas quelque chose? Oui. Et tout d'abord, sécurité avant tout. Wow. Ouais, j'ai bien mis mon casque et ma veste orange de sécurité. Très bien, maintenant, c'est l'heure de prendre le volant et de conduire la pelleteuse. Fini. Wow, 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 wow. Attendez, je crois qu'on oublie encore autre chose. Oui, on doit s'assurer que le moteur est prêt à partir. Alors, allons vérifier. Venez. Oh, bien. Ici, c'est le capot du moteur. Donc, on va l'ouvrir. Waouh! Oh, il est gros, ce moteur. Et ça, c'est le filtre à air. Le liquide de refroidissement, il y a un énorme tube qui sort du radiateur, l'alternateur, la batterie. Wow! Il y a tellement de puissance! Mais ce que vous et moi devons faire, c'est vérifier le niveau d'huile. Et c'est là en dessous! Wow! Très bien! Alors l'huile est là dessous. Et en jaune, le zéro de la jauge. La transmission est par là, avec le T de la jauge. Donc, prenons le jaune, le zéro de la jauge. Oh! Ouais! Ok, il faut bien l'essuyer. Bien la remettre. Et là, on peut voir le niveau d'huile. Ouais! On dirait que c'est ok! Très bien! On la remet dedans. Maintenant que la pelleteuse est prête à partir, on peut la conduire. Allons-y! Très bien! Maintenant, on est dans la pelleteuse. Waouh! Et tout d'abord, sécurité avant tout! Il faut bien mettre sa ceinture. Bien joué! Le truc cool avec les pelleteuses, c'est qu'il y a un avant et un arrière. On va donc s'occuper de l'avant. Waouh! Regardez ça! Ça ici, c'est le volant. C'est ce qui dirige la pelleteuse. Et ça, juste ici, c'est le levier de vitesse. C'est avec ça qu'on fait marche avant ou arrière. Et par ici, ça, oui, ce sont les clignotants. Ainsi que, écoutez... Oui, le klaxon. Waouh! Et ça, c'est avec ça qu'on actionne le godet frontal. On tire pour le faire monter... On pousse pour le faire redescendre. Ouais, c'est trop bien! Et maintenant, allons voir à l'arrière, ok? Waouh! Comme vous voyez, c'est à l'arrière que se trouve la flèche. Le bras, le godet et le stabilisateur. Et pour actionner tout ça, on se sert essentiellement de ces deux joysticks. Celui-là, wow, 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 wow! Et celui-là, wouh, 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 wouh. Maintenant, les deux ensemble. Oh, et regardez ce petit bouton noir. Ok, écoutez. Oui, bien joué. Maintenant, c'est l'heure de faire de la pelleteuse. Démarrons-la.
pelleteuses pelletées. Les pelleteuses sont les engins les plus polyvalents sur un chantier. Parce qu'elles ont un gros godet frontal et un petit godet rétro. Ouh! Maintenant, c'est l'heure de la danse de la pelleteuse. Et ce qu'il faut faire, lorsqu'on voit la pelleteuse et le godet frontal sur l'écran, on danse comme ça. Ok, et si on voit le godet rétro de la pelleteuse, on danse comme ça. Très bien, allons-y! Un excavateur creusant la terre et ce vieil engin creuse à l'envers. Il y a un godet attaché à une charrière. Ça s'appelle une pelleteuse et c'est très cool. Pelleteuse pour la construction. Faut poser des tuyaux creusons. Pelleteuse. Très bien. Elle voilà fait une autre. Des dégâts mais elle les nettoie si facilement. Pelleteuse. De pelleteuse, 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 danse de pelleteuse, pelleteuse. Oh, 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 oh. Dernière. Oh. Pelleteuse, pelleteuse, danse de pelleteuse, 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 danse de pelleteuse. Bien joué. Pelleteuse, pelleteuse, danse de pelleteuse, 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 danse de pelleteuse. La danse de pelleteuse, pelleteuse. C'était super fun de découvrir les pelleteuses avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé Blippi, la pelleteuse en vidéo. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Zéplez mon nom avec moi. Très bien. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Regardez ce que j'ai. Wow! J'ai des sacs de jouets de plage! Et aujourd'hui, nous allons jouer dans le sable! Wow! Wow! Ok, mais tout d'abord, on enlève nos chaussures. La raison pour laquelle j'enlève mes chaussures... Oh! C'est parce que le sable est trop agréable pour mes pieds. Wow! Ok, maintenant une autre chaussure. Ah, oui. Oh. Ok, je laisse mes chaussures juste ici. Et je prends les sacs. Et allons jouer dans le sable. Oh, j'ai tellement hâte de vous montrer tous les jouets de plage que j'ai. Oh, est-ce que c'est un bon endroit? Je pense que oui. Ok, regardez. Oh, comme je le disais, c'est trop agréable pour mes pieds. Ok, alors j'ai un sac, deux sacs et trois sacs. Ok, regardons ce qu'il y a dedans. Dans le premier sac, un jouet vert et bleu. On va jouer avec dans un tout petit instant. Et puis... Wow! Oh, oh, oh. Il y a tellement d'autres jouets dans celui-là. On a une pelle. Et... Ce jouet. Regardez, un petit bateau. Et... Encore un autre jouet. Très bien. Ok, alors... Voyons ce qu'il y a dans le deuxième sac. Wow! Dans le sac numéro 2, on a... un énorme camion à benne. Wow! Ce camion à benne est de couleur rouge, jaune et orange. Ok. On va mettre un peu de sable dans la benne. Juste comme ça. Mettez-en beaucoup plus. Ok. Et... encore d'autres jouets. Il y a un rouge
et un rose. Et même un minuscule, regarde. C'est rigolo. Une petite pelle. Regardez la petite pelle orange. Ok. Et le dernier sac contient... Oh, je suis trop excité de voir ce qu'il y a dedans. Ce sac contient... Wow! Un avion! Wow! Et... un seau jaune. Avec une pelle rouge. Et d'autres jouets? Ok. Oh! Ok, je pense qu'on va prendre le camion Ben. Venez par là! Venez! Ok, mettons le camion Ben ici. Ok, et j'ai besoin d'une pelle, venez! Oh! Ok, est-ce qu'on doit utiliser cette grosse pelle? Ou bien... cette petite pelle orange? Utilisons la pelle orange, car c'est la couleur de mes bretelles et de mon nœud papillon. Venez! Le sable chaud est trop agréable sur mes mains. En gros plan, regardez ça. Wow! Wow! Mes mains et mes pieds. Oh, c'est trop bien! Wow! Ok, maintenant, mettons une grosse pelle dans la benne du camion. Vous voyez? Ok, on les compte ensemble. On vide le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore une, 11, ouais, regardez ça, c'est lourd, wow, regardez ce géant, oh, oh, faisons le rouler ensemble, vous êtes prêts? De ce côté. Oh, et pourquoi pas là? Ok, juste ici. Prêt? Bip, 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 bip. Ouais, c'est génial. Allons chercher d'autres jouets. Venez par là. Ok, regardez tous ces jouets. Voyons ces autres jouets. Waouh! Regardez celui-là! Waouh! Comme je le disais, ce jouet est de couleur bleu et vert. Ok. Regardez. Oh! Je pense que ça va sur le dessus. Puis, on met du sable par le haut. Venez! Mettons-le juste là. À la place de la pelle. Ok. Il faudra sûrement faire un gros plan de ça plus tard. Mais pour l'instant, allons chercher la grosse pelle, d'accord? La pelle? Ouais! Ok, venez par ici. Ok, toi, tu vas là. Venez par ici, les jouets. La pelle ouvre la voie. Là, ce sont les sacs de tout à l'heure. Ok, on consolide le tout. Ok, bien. Maintenant, j'ai la pelle. Ok, alors... voilà, une pelle de sable. Regardez ça. Wow! Wow! Vous voulez encore voir ça? Wow! Ok, on en verse un peu là-dedans. Et vous pourrez faire un gros plan. Prêt? Wow! Wow! Vous avez vu? Encore une fois. Oh. On secoue, on secoue. Oh, allez! Tu peux y aller. Oh,
Il faut du sable plus sec. Ok, on y va. Wow! Vous avez vu comme ça tournait vite? Maintenant, je vais aller prendre un seau et je vais le remplir d'eau. Et on recommencera avec de l'eau. Regardez! Oh, regardez! On est arrivé près de l'eau. Mais je n'ai pas mon maillot de bain. Alors, je vais retrousser mon pantalon pour ne pas le mouiller. Je vais juste le rouler un peu. Comme ça, ok? Et ce côté aussi. Ok. Je suis prêt à récupérer un peu d'eau. Allons-y. Waouh. Je me prépare pour la vague et je remplirai le seau d'eau. Waouh. En voilà une grosse. Il est rempli d'eau. Regardez! Wow! Regardez! Oui! Il ne faut pas la gaspiller! On va la mettre dans le jouet, venez! Ok! Maintenant qu'on a rempli le seau d'eau, j'ai bien envie de voir ce que ça fait quand on le verse là-dedans. Ok, rappelez-vous comme ça tournait. Avec le sable dedans. Oui! Voyons voir ce que ça donne en versant l'eau qu'on a pris dans l'océan ici. Est-ce que ça tourne? Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez bien? Ouais? Ok. Allons-y. Wow! Ça marche! Oh, ok, j'aide un peu celle-là. Ok, prêt. Ok, c'est parti. Ouais! Oh, ouais! Ça marche! Waouh! C'était super fun de s'amuser sur la plage avec tous ces jouets et vous! Voilà, si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous savez comment faire. Eh oui, vous n'avez qu'à chercher mon nom. Vous savez comment épeler mon nom. Oui, épelons-le ensemble. Prêt? B-L-I-B-B-I. Blippi! Ouais! C'est mon nom! Bien joué! Et à très bientôt! Bye bye! Venez les amis, apprendre c'est génial! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment